Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message, les messages de ce mardi 17 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste. Lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, j'ai pigé la carte d'aide. Ton âme a ce message pour toi. Tu as l'impression, de ne pas être capable de faire les choses correctement. Tu as peut-être l'impression d'être seul en ce moment. Tout te paraît compliqué et tu as l'impression qu'il n'y a que toi. Que toi qui puisses gérer les autres. Tu as l'impression que les autres t'abandonnent les uns après les autres et tu es là, seul face à toutes ces obligations. Tu n'es pas seul car je suis là, n'en doute pas. Je serai toujours à tes côtés. Mais pour cela, je t'invite à prendre du temps pour te connecter à moi. Tu peux par moments avoir une sensation de blocage, n'est-ce pas? Comme si quelque chose se bloquait à l'intérieur, de toi-même. C'est moi qui t'invite à faire une pause pour que tu puisses écouter mes sages conseils. Mais pour l'instant, je t'invite à avoir quelques minutes de silence dans ta journée, quelques minutes de repos. Cela va t'aider à m'entendre. Sache que tu as toutes les capacités pour relever les défis actuels. Ne doute pas, ils ne sont pas insurmontables. Je suis avec toi et ensemble, nous allons avancer d'une façon positive. Tes guides te disent en ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes pour que tu puisses prendre conscience que tu es capable d'avancer seul. Tu as peut-être l'impression que tu ne peux pas réaliser des choses importantes par toi-même. Et pourtant, tu as de très grandes capacités d'adaptation et tu sais faire preuve d'une très grande persévérance. Et en ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes en lien avec le chiffre 18. Nous t'invitons à te souvenir de ce qu'il s'est passé à tes 18 ans. Et ce qu'il s'est passé il y a 18 mois. Retiens bien ce qu'il s'est passé il y a 18 mois. À ces moments-là, des expériences fortes ont été vécues et t'ont permis de créer en toi, de très grandes capacités de résilience. Tu es capable de très grandes choses, mais pour cela, tu es actuellement invité à te souvenir de tout ce que tu as déjà fait. Peut-être que tu as l'impression que nous ne sommes pas là, mais nous sommes bien présents, tu sais. Tu es invité pendant quelques mois à agir par toi-même et à prendre conscience de ta force intérieure. Nous sommes là. Nous sommes là, mais nous n'agissons pas, car c'est toi. C'est à toi de construire ton propre chemin et de créer ta propre évolution positive. Tu es le libre arbitre, ne l'oublie jamais. C'est le but de ton incarnation. L'entité vient te dire « Je sais que tu me demandes de l'aide. Je sais que, quand tu penses à moi, tout de suite, ta gorge se serre. Je sais que tu as l'impression que je pourrais davantage t'aider. Mais ce n'est pas mon rôle. Avant, j'avais beaucoup de difficultés à recevoir l'aide des autres. Je pensais que cela n'était pas juste pour moi et j'avais peur aussi d'avoir des reproches par la suite. Alors j'ai fait beaucoup de choses seule. Cela m'a fait vivre des situations assez pénibles. Mais cela a été très instructif pour mon âme. J'ai appris. Actuellement, tu sais, je suis auprès de toi, mais mon rôle n'est pas de t'apporter une aide directe. Je suis là. Je suis là pour t'apporter de la joie, pour que tu puisses éveiller ton enfant intérieur. Alors, je mets sur ton chemin des choses qui puissent te faire sourire et qui puissent t'apporter une certaine forme de légèreté. Je suis là pour que tu puisses souffler et pour que tu puisses être juste là, dans l'instant présent. Que de beaux messages, n'est-ce pas? Moi, je suis en extase de ce magnifique oracle. Allez, je termine par la guérison des 5 blessures. Et aujourd'hui, j'ai pigé une carte de trahison. Aujourd'hui, quand je m'aperçois que je viens de mentir, je décide de prendre une bonne respiration et ensuite d'avouer à l'autre d'avoir menti. Si j'en suis incapable, je suis reconnaissant, au moins d'être conscient d'avoir menti afin d'être aimé et de ne pas paraître vulnérable ou faible. Je sais qu'un jour j'arriverai à m'aimer et à être vrai, car je ne m'inquiéterai plus du jugement des autres. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse. À demain.